Il y a 16 participants là, des inscrits en bas. Ouais. Donc alors on va pouvoir attaquer. Donc le nombre de participants augmente sans arrêt. Nous sommes à 19 comme la Corrèze. Donc bienvenue dans ce quatrième webinaire qui porte sur s'engager dans des projets financés. Donc avec deux intervenants. Le premier, ce sera Rémi Proust, donc chef du bureau BDAPI, donc qui se présentera, qui fera une présentation générale sur les financements, notamment les financements PNDR. Et après, donc, il y aura un cas concret avec Arnaud Hoble, qui est donc actuellement directeur d'atelier technologique, mais qui auparavant était directeur d'exploitation à Bressuire, et il nous fera part de son expérience et des nombreux sujet d'investigation qu'il a fait et avec les financements qu'il a obtenus. Donc, vous pourrez poser des questions dans questions et réponses qu'Emmanuel Zanchi, et ce webinaire sera enregistré et diffusé sur la chaîne YouTube d'ici la semaine prochaine. Donc, je vais laisser la parole à Rémi qui va nous partager son document. Bonjour à tous. Oui, du coup, je vois l'identité des spectateurs à droite. Donc, je vais, du coup, pendant une petite demi-heure, effectivement, vous présenter les nouveaux appels à projets du PNDAR, donc pour la programmation 2022-2027, avec un objectif qui est de vous montrer que l'enseignement agricole a sa place dans ces appels à projets et que l'enseignement agricole est attendu pour répondre à ces appels à projets. Du coup, j'y vais. Je départage ton écran, Hervé. Tac. Hop. Hop. Allez. Donc, en introduction, voilà, je souhaitais vous rappeler, je vais juste couper ma caméra, c'est un plus simple. Je vous rappelais du coup, évidemment, que votre mobilisation en tant que directeur d'exploitation d'atelier technologique, elle s'inscrit dans la mission Code Rural sur contribution aux activités de développement, expérimentation et innovation. Donc clairement, les appels à projets du PNDAR et le PNDAR est un outil pour que l'enseignement agricole puisse mettre sa mission avec des outils, avec des moyens supplémentaires. Ce qui est proposé aujourd'hui, ce sont des appels à projets nationaux dans le PNDAR. Le PNDAR est un outil national du ministère de l'Agriculture, le Programme national de développement agricole et rural. Il y a d'autres outils au niveau régional et local. Donc, effectivement, l'objectif de mobiliser des établissements se porte voilà, essentiellement sur des problématiques nationales, donc, qui demandera pour vous, en tout cas, un travail du coup, de mise en réseau et de problématisation, en tout cas, de vos interventions. Les enjeux, nous, en tout cas, ce sur quoi on insiste et qu'il faut avoir bien en tête avant du coup que je démarre la présentation, c'est que ce qu'on encourage à travers le PNDAR, ce sont des projets multi-acteurs où l'enseignement agricole est un acteur parmi d'autres, des consortiums, des partenariats qui déposent des projets. Il n'est pas question effectivement que chaque type d'acteur dépose un projet dédié. Donc, ça demande du coup la mise en œuvre de consortium. Et donc, bah, c'est évidemment plus facile de démarrer en tout cas la réflexion autour du consortium quand on a déjà des partenariats qui sont en place. Mais les projets sont aussi des opportunités pour démarrer ensuite des partenariats plus long terme avec vos partenaires territoriaux. Et donc, c'est à la fois en tout cas une opportunité pour conforter et créer du partenariat. Le PNDAR vise des projets en priorité multifilières. L'idée étant quand même effectivement d'avoir une approche transversale sur les enjeux communs entre filières, et nos exploitations dans l'enseignement agricole sont assez adaptées à ça puisque la plupart d'entre vous ont de nombreux ateliers de production du coup à traiter, et donc cette approche multifilière est aussi un avantage en tout cas pour traiter des problématiques communes, que ce soit des problématiques sanitaires, de désherbage, etc., qui pourraient effectivement occurrir sur plusieurs filières. Donc, il y a bien une approche de décloisonnement entre acteurs et entre filières. Voilà, je ne développerai pas, mais on pourrait répondre aux questions, les autres outils de financement, mais voilà, le PNDAR n'est pas le seul outil, loin de là. Les appels à projets du PNDAR sont dotés environ chaque année
de 20 de millions d'euros, voilà, par rapport aux financements plus ponctuels comme ceux qui sont arrivés, qui sont annoncés, que ce soit France Relance ou précédemment le plan de relance. Voilà, ça reste des sommes modestes, sauf que les appels à projets du PNDAR sont lancés tous les ans. Donc, il y a une vocation de récurrence. Donc, chaque année, on remet environ 20 millions d'euros sur la table pour financer des projets pluriannuels. Donc, il y a quand même un aspect de récurrence, donc un aspect non négligeable. Donc, ça doit être pour vous un objet prioritaire. Si vous deviez, entre guillemets, vous positionner votre établissement sur des projets, celui-là apparaît en tout cas comme un des prioritaires. Mais effectivement, vous avez bien d'autres dispositifs que vous connaissez, le Géo du PEI, les groupes opérationnels PEI, les fermes 30 000 sur Ecophyto, les PAT, les outils TETRAE, PSDR, du coup, portés par l'INRAE et les régions, etc. etc. Voilà. Donc, je vais essayer de positionner ça par rapport au tout. Donc, là, sont ouverts actuellement pour le nouveau PNDAR et donc pour 5 ans, entre 2022 et 2027, 3 appels à projets compétitifs, avec une logique très simple, c'est une logique par livrable, et pas par thématique, donc il n'y a pas un appel à projet par thématique, il n'y a pas un appel à projet par type d'acteur, il y a un appel à projet par type de livrable. À gauche, un appel à projet connaissance, donc comme son nom l'indique, qui est un appel à projet de recherche appliquée, qui vise la production de nouvelles connaissances appliquées à l'agriculture. Le PNDAR n'est pas un appel à projet de recherche fondamentale, hein, c'est bien de la recherche appliquée. Son pendant à droite, démultiplication, qui est un appel à projet de transfert, de conseil, de diffusion d'une connaissance vers l'agriculteur. Et évidemment, vous le comprenez, on est extrêmement attendu en ciment récolte sur ce deuxième volet de transfert, dont la formation, la pédagogie et l'exploitation sur son territoire en matière d'animation des territoires sont un outil crucial pour le ministère de l'Agriculture. Voilà. Entre les deux, on a placé un objet un peu plus ovni, mais que vous connaissez presque déjà dans Innovation et Partenariat, qui est l'appel à projet co-innovation, où là, l'idée étant effectivement que nos chercheurs, nos développeurs, nos formateurs et nos agriculteurs puissent ensemble travailler une problématique de recherche, trouver des solutions et questionner la mise en œuvre de ces solutions. L'agriculteur, le formateur challenge le chercheur sur la définition de la problématique et on attend du chercheur, du conseiller qui challenge l'agriculteur sur la mise en place de la solution, de la pratique, de l'itinéraire technique en parcelle, en environnement réel. Donc là encore, sur cet appel à projet-là, on a une place évidemment très attendue. Donc je ne développe pas l'appel à Magistrat Intérêt Exploration, qui est un appel à projet blanc qui sera lancé l'année prochaine, pas cette année. Donc pas d'appel à projet par thématique. Par contre, tous ces appels à projets doivent répondre aux priorités thématiques du PNDAR qui ont été publiées en juillet, sur notre orientation. Et par chance, avec un heureux hasard, ces thématiques prioritaires sont très en lien avec Enseigner à produire autrement, avec notre stratégie à 4 ans, à l'horizon 2024. Donc, du coup, logiquement, l'effort que vous avez fait pour, en tout cas, définir des projets stratégiques par exploitation au sein de vos conseils de centre en vue des projets locaux Enseigner à produire autrement, vous permettent aujourd'hui d'être en première ligne sur la plupart de ces problématiques-là. Je les détaille rapidos, mais il y a une problématique forte du PNDAR qui est la mise en place de nouvelles chaînes de valeur autour de la valorisation des filières agroécologiques, notamment autour des filières bio et HVE. On a un objectif fort dans EPA2. Donc effectivement, on est attendu là-dessus. On a une thématique sur le renouvellement des générations, qualité de vie au travail. Voilà. Clairement, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on bosse énormément sur EPA2, quoique il y a quand même des vraies choses à faire autour du coup de notre... en termes méthodologiques, on a des exploits avec des salariés. Et donc, clairement, on est un support d'expérimentation intéressant sur la question de la qualité de vie au travail et puis de relation exploitant-salarié qui pourrait effectivement être très utile pour nos partenaires. On a un deuxième volet de thématiques prioritaires autour de l'adaptation au changement climatique, donc de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de stockage de carbone dans les sols. Je ne fais pas de dessin. On a également, sur le bouclage des cycles, une thématique prioritaire
sur le développement de la production de protéines végétales, notamment légumineuses, et sur l'autonomie azotée des exploitations, donc fertilisation, du coup, couplage, élevage, filière végétale. Un troisième volet de thématique prioritaire autour de l'adaptation et de la valorisation de l'agrobiodiversité. Donc, on est sur des questions effectivement de diversité au champ, culturelle, de lien entre structure de biodiv et rendement, d'adaptation entre bandes fleuries et parcellaires. On a un volet du coup adaptation aux aléas et aux changements climatiques qui est attendu, notamment sur stress hydrique, donc avec des questions du coup de maîtrise de l'irrigation, de stockage de l'eau et aussi bien sûr de consommation en tant que telle. Et enfin, une dernière thématique prioritaire autour de la santé animale et végétale, donc gestion intégrée. Donc là, on est sur gestion intégrée, donc suppression et limitation des produits phyto et de synthèse et antibiotiques. Donc on est lié à éco-phyto et à éco-antibio dans cette thématique-là. On a gardé la thématique améliorer le bien-être animal, qu'on a également sur Enseigner à produire autrement, qui est une thématique principale. En transversal, on s'est mis effectivement un objectif effectivement de développer le numérique, donc l'ensemble du coup à la fois bien sûr des outils, des capteurs, du big data et des outils de décision qui sont liés à ça. Et donc bien sûr les outils aussi d'accompagnement de la formation sont du coup par des salles de captation, etc., peuvent tout à fait effectivement rentrer là-dedans à condition que ça réponde aux thématiques prioritaires puisque c'est une thématique transversale. Rapidement, par rapport à ce que vous aviez connu par le passé en termes d'appel à projet sur le PNDAR, il y a des correspondances directes avec ces nouveaux appels à projet. Donc, innovation et partenariat sur lequel l'ancien Mont Récolte était obligatoirement partenaire depuis plusieurs années, va logiquement retrouver sa place dans co-innovation, nonobstant une petite adaptation des projets. Mais clairement, on est dans cet esprit de co-construction entre types d'acteurs, dont l'enseignement agricole dans co-innovation. Ce que vous avez connu sur plusieurs programmations, l'appel à projet dédié à l'enseignement agricole sur la transition agroécologique, TAE+, en 2019 et 2020 pour les dernières éditions. On attend bien entendu que ce type de projet se retrouve dans des multiplications, mais à condition, vous l'avez compris désormais, que ce soit partenarial et que ce ne soit pas que un des projets enseignement agricole portés sur nos exploitations propres et qui soit uniquement dédié à nos fermes. Voilà. Sur connaissance, du coup, je vous dis un petit mot un peu en détail sur sur la place qu'on pourrait avoir. Donc, je vous laisse les diapos derrière. Mais l'idée étant de sélectionner des projets de recherche appliqués. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas attendu d'être en première ligne. Donc, nos EPL seront normalement pas chefs de file de ces appels à projets-là, clairement. On attend là-dessus fortement le réseau ACTA, en particulier les instituts techniques agricoles et des structures comme quelques centres d'expérimentation INRA, etc. Mais là où on est attendu, c'est qu'en fait, dans cette cahier des charges, on est bien sur de la recherche appliquée, on vise des solutions innovantes finalisées, c'est-à-dire qu'elles sont, à la fin du projet, transférables et diffusables aux agriculteurs. Donc, elles sont prêtes à être utilisées en fin de projet, ces solutions. Ce ne sont pas des appels à projets de recherche fondamentale. Et donc, le fait d'être transférable et diffusable, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un moment un test sur un parcellaire, sur une exploitation, sur un atelier technologique. Et ce test-là, clairement, il pourrait être fait chez nous, sur certaines de nos exploitations, notamment ceux d'entre vous qui ont l'habitude de porter, soit avec un partenariat fort, avec un ITA, une station d'expé sur notre parcellaire, ou un programme d'expé un peu majeur, etc. Clairement, le test, en tout cas, de la solution pourrait se faire effectivement chez nous. Mais là-dessus, effectivement, vous n'êtes pas les seuls à pouvoir proposer effectivement un partenariat, puisque bien sûr des stations d'expérimentation du coup qui appartiennent au réseau chambre ou au réseau privé qui sont liés au réseau professionnel sont aussi intéressés pour ça. Donc là-dessus, il y aura forcément un petit peu de compétition,
pour vous, pour positionner vos exploitations sur cet aspect vraiment recherche appliquée. Donc, ça ne correspond certainement pas à la majorité d'entre vous. Voilà, donc, voilà ce que je voulais dire, cet appel à projet-là. Par contre, j'insiste, et c'est là que j'ai, du coup, qu'on a besoin de vous aujourd'hui, donc des multiplications. On détaille un peu. Donc, l'objectif étant du PNDAR 2020-2027, il y a bien, s'il n'y a qu'un objectif principal à retenir, c'est démultiplier du coup la transition agroécologique chez tous les agriculteurs. On a produit beaucoup de connaissances sur la précédente programmation. Désormais, on souhaite passer à la phase du coup application et application partout, 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 partout. D'où cet appel à projet qui sera bien doté financièrement, qui est un peu nouveau par rapport à ce qu'on avait précédemment. Ça ressemble, pour ceux qui connaissaient, un petit peu à l'appel à projet ARPIDA qui était mis en œuvre du coup soit une fois par la PCA, soit une fois par les réseaux Onvar, mais clairement on change de dimension avec cette nouvelle programmation. Donc là-dessus, l'idée étant de transférer, d'adapter la connaissance, l'outil et la méthode sur le terrain, à une filière, à un bassin versant, à un territoire, à un type d'exploitation, et y compris des innovations repérées chez les agriculteurs. Et quand on dit ça, on peut dire innovation repérée aussi par l'enseignement agricole par son exploitation agricole. Donc, l'idée étant effectivement, à travers ça, de mettre en place des projets qui sont à la fois des projets, bien sûr, il y a de la répétition de démonstrations et d'expérimentations pour convaincre, pour partager, donc mettre en place des essais chez nous en partenariat avec du coup d'autres essais en parallèle chez les agriculteurs, lié à votre participation forte au GI2E, aux fermes 30 000, aux différentes initiatives professionnelles, que ce soit coopératives, CUMA, GDA, dans lesquelles vous êtes extrêmement mobilisés, c'est clairement dans nos cordes. Conduire de l'animation et de la passion d'échange de pratiques, là-dessus, on va effectivement attendre du coup, une grosse mobilisation, bien sûr, des chambres d'agriculture et des ONVAR. C'est évident qu'effectivement que ces structures-là vont beaucoup se positionner. Nous, on est attendus pour vraiment faire le lien, pour vraiment apporter de la méthodologie, puisque effectivement, on a autour de notre corps enseignant, dans nos formations, clairement de l'expérience en matière de méthodologique sur cette question d'échange de pratiques, de méthodes innovantes, effectivement, pour aujourd'hui transférer l'innovation. Et donc, on peut participer à cet effort, effectivement, d'animation également. Voilà, on a dans ces projets, on attend au final des réalisations concrètes dans les exploitations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il faudra que la pratique de bien-être animal qui aura été portée par la méthode, par le projet, effectivement, à un moment donné, il faudra qu'un élevage effectivement l'ait mis en place. Et là-dessus, nous, clairement, on peut tout à fait effectivement permettre, par notre changement de pratique, par une démonstration forte, du coup, de faciliter du coup, l'accueil d'agriculteurs sur chez nous, l'accueil, bien sûr, de jeunes en formation, que ce soit les formations initiales ou formations continues. Donc, sur cette idée de lever les freins à la transition, du coup, on est clairement très attendu. Et donc, voilà, cet appel à projet, c'est celui qui, à mon avis, du coup, va pour vous le plus solliciter du coup d'échanges avec vos partenaires chambres d'agriculture et conseils privés et réseau Onvar. Et je pense que voilà, du coup, les chambres d'agriculture qui sont présents là ce matin avec nous pourront nous en dire un mot. Voilà. Sur co-innovation. Sur co-innovation, effectivement, on est sur quelque chose qui ressemble un peu à innovation et partenariat, hein, clairement. La particularité nouvelle, c'est qu'on oblige le partenariat avec des groupements d'agriculteurs sur co-innovation. Donc, on est bien sur le triptyque chercheur-développeur, du coup, agriculteur, sur tous les types d'innovation, quelle que soit la thématique prioritaire. Et du coup, on a, je pense qu'effectivement, dans ces appels à projets, l'idée étant de faire des allers-retours entre le laboratoire, la parcelle d'expérimentation et du parcellaire réel. Et notre parcellaire, du coup, clairement, permet à un environnement réel, du coup, de dialoguer.
et de dialoguer directement avec un environnement expérimental. Et donc, l'avantage qu'on a par rapport à un agriculteur lambda là-dessus, c'est effectivement, c'est qu'on est capable effectivement d'offrir en tout cas un suivi et un environnement qui est entre guillemets maîtrisé, même s'il est tout à fait réel au terme économique. Donc, c'est vrai qu'on donne à nos partenaires, Chambre d'agriculture et notamment et ITA, du coup, vraiment un environnement réel, maîtrisé dans son sens, avec des compétences, qui plus est, sur lequel, effectivement, on a potentiellement des compétences d'enseignants multifacteurs, que ce soit dans les domaines de sciences sociales et de sciences ressources humaines. Donc, ces appels à projets co-innovation, à mon avis, et ils ne pourront pas être portés uniquement par les exploitations tout seuls, mais ça sera bien les exploitations avec une filière d'enseignement qui pourront effectivement permettre à un moment donné de s'insérer dans une démarche de co-construction de l'innovation qui est une démarche toujours ambitieuse au niveau social et donc qui nécessite en matière de sociologie des compétences, et nos compétences en matière d'enseignement sont attendues là-dessus, pour la mise au point par exemple d'outils de la décision, etc. Mais effectivement, il y aura à la fois cet appel à projet doit permettre pour nous de valoriser nos partenariats sur chacun des territoires avec les groupements d'agriculteurs déjà formés. On est membre des GI2E, on est membre de Ferme 30 000, on est extrêmement présent dans le réseau des filles, on est très présent autour des CUMA, des GDA, d'ODG, de syndicats. Et du coup, on peut être facilitateur aussi de la mobilisation des agriculteurs dans cet appel à projet-là et de permettre aussi à pas mal de groupements d'utiliser et de venir voir un peu ce qui se passe chez nous à travers ces appels à projets où on pourrait comparer en tout cas de la mise en œuvre sur 5-6 parcelles d'innovation, de solutions, de conception collaborative. Et là-dessus, pour nos, à la fois sur la partie enseignement et à la fois sur la partie partenariat professionnel, ces appels à projets peuvent avoir un impact très important chez nous. Je développe, pour la partie technique, du coup, de ce que je voulais vous dire. Vous me poserez des questions tout à l'heure. Je développe deux petits points sur l'administratif. C'est bon dans le temps, hein, tu peux continuer. Ouais, du coup, je vais regarder, pas de souci, je suis pas encore en retard. Je développe deux petits points sur ce que ça sous-entend, s'impliquer dans un projet PNDAR, dans un appel à projet, par rapport à l'expérience qu'on a de la précédente programmation. Les appels à projet sont ouverts. Ils sont pas à toutes les structures, donc c'est compétitif. Donc, effectivement, les établissements sur mon école sont éligibles à tous ces appels à projets, sans distinction, au même titre que tous nos partenaires, il n'y a aucun souci par rapport à ça, et au même titre que des opérateurs économiques, dont le but de premier n'est pas de faire de la recherche, donc on peut tout à fait avoir des start-up, des bureaux d'études, etc., qui sont dans nos consortiums. Ils ont des taux de financement différents des nôtres, mais en tout cas, ils sont éligibles. Ce qui veut dire que par rapport à la fin de programmation, vous n'avez plus d'appel à projet dédié. Et à l'enseignement agricole. Donc, à la fois, c'est une compétition, entre guillemets, plus ouverte, donc potentiellement plus compétitive, mais de l'autre, en fait, il y a tout un... En tout cas, ces trois appels à projets et l'ensemble de la somme financière, aujourd'hui, est possible. Donc, c'est vrai qu'à la fois, ça peut effectivement être une opportunité, puis de l'autre, ça peut être effectivement un frein pour d'autres. Donc, ce qui veut dire qu'il va... il y a un effort, là, cette première programmation, de repositionner l'enseignement agricole auprès de toutes nos têtes de réseau, comme quoi, effectivement, nous, on a des missions fortes et on a, à un moment donné, des compétences et de la dispo pour faire ça. Mais ce qui veut dire que c'est un engagement fort, et je vais y revenir sur le prochain, qui mobilise et sur lequel on ne se lance pas comme ça les mains dans les poches. Donc, tous ces projets doivent mobiliser à minima plusieurs partenaires. Donc, vous ne pouvez pas porter seul un projet, personne. Donc, on doit tous, effectivement, faire l'effort d'aller vers un partenariat, vers un partenaire quand on a une idée, quand on a une solution, quand on a une innovation en tête. Et ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour les autres partenaires. Pas de type de partenaire obligatoire, sauf pour l'appel à projet co-innovation où on a un besoin de groupement d'agriculteurs formalisé. Donc, juridiquement, il nous faut un groupement d'agriculteurs. C'est la seule contrainte qu'on s'est mis en termes de partenariat, ce qui laisse le champ des possibles grandement ouvert. Et ce que je disais tout à l'heure, que si on veut un groupement d'agriculteurs formalisé, autant que ce soit un groupement d'agriculteurs où on est dedans. Ça pourrait faire d'une pierre deux coups. Sur l'échelle territoriale du projet, on est sur des projets conduits à l'échelle nationale prioritairement, ce qui veut dire, en termes de règles administratives, que ça implique à minima deux régions sur les appels à projets, sauf pour l'appel
à projet démultiplication, ça tombe bien, c'est celui sur lequel on nous attend beaucoup, qui peut être conduit à une échelle régionale. Du coup, avec à minima, effectivement, deux types de partenaires. Donc, ça ne peut pas être l'enseignement agricole sur son petit territoire qui porte son projet régional des multiplications, ni une chambre d'agriculture. Ça peut être l'enseignement agricole et une chambre d'agriculture, l'enseignement, une chambre d'agriculture et une station d'expérimentation, l'enseignement agricole, une chambre d'agriculture et un GI2E. Donc, c'est vrai que, du coup, ces appels à projets plus locaux de transfert, puisqu'il faut vraiment adapter la solution à un contexte pédoclimatique, sur cela, effectivement, du coup, on sort de notre contrainte dite nationale. Voilà. Donc, d'un côté, pour ceux qui vont se lancer sur des projets co-innovation, de co-construction, bah, probablement que ça va mobiliser plusieurs établissements et que vous allez avoir un lien du coup national avec nos structures. Pour l'appel à projets de multiplication, on est plus voilà, sur votre échelle territoriale d'animation des territoires plus classique, sur lequel voilà, du coup, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Sur les règles financières, un petit rappel, très rapidement, en tant qu'établissement public, évidemment, nos salaires publics ne sont pas éligibles, vous le savez, c'est la contrainte, donc tous les salaires de fonctionnaires. Par contre, en termes de dépenses de personnel, nos salariés de droit privé sont éligibles en termes de salaire. Ce qui veut dire que des formateurs CFA, CFPPA, des salariés d'exploitation, des chefs de culture, et y compris des recrutements de chargés de mission ou de chargés de projet, sont éligibles. Et il faut absolument pas se censurer sur la partie salaire, parce que si à un moment donné la condition pour que votre établissement s'implique, c'est du coup d'avoir à un moment donné un salarié de droit privé ou des salariés de droit privé qui s'impliquent, que ce soit ceux qui sont déjà en place ou ceux qui sont à recruter sur une thématique donnée, les appels à projets, les cahiers des charges le permettent. Voilà, je vous rappelle au passage que, du coup, en tant qu'organisme public, on a un forfait de 15% de charges indirectes qui est censé couvrir nos frais généraux. Du coup, donc ce forfait est automatique. Il est lié, évidemment, au montant des dépenses éligibles. Mais il ne faut pas oublier, effectivement, que ce forfait, sur tous les frais généraux, hein, copie, achat d'ordinateur et compagnie, ça rentre là-dedans. Un engagement long terme, un suivi financier rigoureux. Donc, je voulais vous dire deux choses. On a fait sauter en fait le taux max par projet, qui était avant de 80%. Donc, il n'y a plus de taux max par projet d'aide, CASDAR. Par contre, il reste un taux max par type de structure. Et pour un établissement public, comme un EPL ou FPA, c'est 100% des coûts éligibles, hors salaire public, je l'ai déjà dit. Donc, voilà. Donc, vous aurez plus ce souci de négociation du taux avec nos partenaires, et nos partenaires n'auront plus ce souci non plus de devoir couper la poire en deux pour tomber à un taux de 80% par projet. Voilà, donc, les entreprises sont à 80%, mais nous, on est bien à 100% de toutes nos dépenses, hors salaire de fonctionnaires, évidemment. Donc, ce qui veut dire que dans tous les projets dans lesquels vous vous impliquez, c'est ce que vous visez, et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, normalement. Évidemment, le CASDAR, un peut permettre des cofinancements. Donc, c'est vrai que si vous êtes déjà engagé avec d'autres financeurs sur la même problématique, sur des projets communs, le CASDAR peut intervenir en complément. Ce n'est pas forcément l'objet unique, hein, l'appel à projet CASDAR pour lancer un projet. Ça peut arriver sur un complément de financement. Mais néanmoins, si le CASDAR est le seul levier financier qui a été observé par le consortium, eh ben, effectivement, on pourra monter à 100%. Quelques chiffres, du coup, juste au-dessus. C'est des projets qui sont… On vise des projets importants en termes de taille, mais néanmoins, les minimums sont assez faibles. Les projets minimums en termes financiers qui seront éligibles sont de 50 000 euros, avec un minimum par bénéficiaire de 5 000 euros d'aide CASDAR. Donc, voilà, c'est les ordres de grandeur. On monte ensuite… max à 500 000 euros, mais effectivement, on peut déposer des projets de taille entre guillemets modeste aujourd'hui et ils seront éligibles. Du coup, il n'y a pas forcément un objectif de viser le 500 000 euros par type de projet. Donc, c'est vrai qu'il y aura une palette de projets possibles en termes de taille et donc, du coup, sur la durée des projets, ça se retrouve. On est minimum un an, maximum 42 mois, donc 3 ans et demi. Donc, qui dit 3 ans et demi, dit un engagement long terme pour l'établissement en matière de suivi administratif et financier, puisqu'on est à 3 ans, on est à 42 mois de projet, certes, mais on est à plus 12 mois en matière administrative derrière et des fois plus 24 mois pour rendre en tout cas tous les documents administratifs. Donc, quand on s'engage et quand on signe à un moment donné un accord de consortium
Et un partenariat, on s'engage généralement pour 5 à 6 ans autour de ces appels à projets-là, du coup, que de long terme. Et donc, bah, effectivement, c'est pas anodin, effectivement, sur la comptabilité et sur le suivi des équipes et la mobilisation de vos équipes administratives. Les appels à projets sont lancés tous les ans. Donc voilà, donc, pour finir, voilà, donc, ces appels à projets, ils sont ouverts aujourd'hui sur le site de France Agrimaire, qui est l'opérateur unique qui porte ces 3 appels à projets. La première date limite de dépôt, appel à projet connaissance, est fixée au 15 janvier, succédera co-innovation au 15 février et démultiplication au 15 mars. Donc, ils sont échelonnés tous les mois. Donc, démultiplication, voilà, on retient ça, deadline mi-mars, du coup, pour rendre les projets co-innovation mi-février. Voilà. Et du coup, pour des projets qui peuvent démarrer en termes d'éligibilité du financement dès le dépôt. C'est-à-dire, si vous financez un projet, si vous déposez un projet au 15 février, ben, vous pouvez demander en date d'éligibilité le 15 février pour démarrer le projet. Après, ça peut être plus tard, jusqu'au 1er janvier d'année d'après. Mais voilà, donc, du coup, la date de dépôt du projet vaut date de début d'éligibilité des dépenses, même si on vous préconise évidemment de ne pas démarrer le projet avant d'avoir la réponse du jury qui interviendra entre mai et juillet. Évidemment, ça, c'est plus sain d'avoir un projet qui démarre au 1er janvier 2023, du coup, ou alors au 1er septembre, hein, mais que de se mettre la pression avec un démarrage dès le 15 février 2022. Voilà pour ça. Du coup, et l'équipe de France Agrimaire, du coup, est mobilisée. Donc, vous avez, là, je vous ai mis les liens, vous les aurez. Mais voilà, tous les appels à projets sont sur le site de France Agrimaire. Il y a une FAQ qui répond aux questions. Ils ont des mails pour répondre à toutes les questions de montage. Donc, vous pouvez les solliciter là-dessus sans aucun souci si vous avez des questions d'ordre administratif ou financier. Voilà. Et pour finir, en conclusion, yes, je suis dans les temps, tout pile. Comment et maintenant que faire, voilà, c'est bien, voilà, je vous ai présenté un peu l'architecture là où on nous attend. Alors certains d'entre vous sont bien ancrés dans des partenariats, dans des RMT, dans des relations long terme avec des sociétés qui ont des chambres d'agriculture et clairement vont se tourner vers leurs interlocuteurs classiques pour voir un peu ce qu'il y a comme idée actuellement, comme équipe qui se monte, pour proposer aussi des solutions. Donc jusque là tout va bien. Mais aussi, l'idée, bien sûr, c'est pour que si sur des thématiques, aujourd'hui, vous êtes peu ou pas ancré sur des partenariats forts, c'est qu'on arrive. Et c'est pour ça que j'ai invité ce matin, du coup, nos collègues de l'INRAE, de la PCA et de l'ACTA à venir discuter avec nous un peu du sujet. C'est qu'on doit recréer des liens à travers ces nouveaux appels à projets. C'est des appels à projets plus tard, sont nationaux, donc avec nos têtes de réseau. Et je vous demanderai en tout cas d'utiliser au maximum vos animateurs réseau thème par thématique prioritaire, du coup, pour en tout cas vous manifester, dire écoutez, moi sur bien-être animal, c'est un domaine sur lequel je monte. J'ai basé mon projet d'exploit là-dessus. Je n'ai pas de partenariat fort au niveau national, mais voilà ce que je suis capable d'apporter sur mon exploitation, de faire des offres de services là-dessus. Et parce que nos animateurs réseau thème en recevront dans l'autre sens de la part d'INRAE, de la PSA et de l'ACTA, à un moment donné, qui dit, écoutez, moi, j'ai besoin de telle ou telle mise en œuvre sur le territoire, une telle répartition géographique sur telle ou telle innovation, et je n'ai pas forcément d'ancrage fort aujourd'hui avec l'enseignement agricole. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc, on a vraiment besoin, effectivement, d'une mise en relation, et nos réseaux thématiques sont l'endroit pour ça. En complément, pour ceux qui maîtrisent ça, on a nos référents RMT, du coup, à ne pas oublier, qui suivent les RMT, du coup, nos 31 référents qui suivent les RMT par thématique. Dans les RMT, il y a un jeu partenarial où des idées de projet émergent, et donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter sur une thématique qu'ils vous donnent. Voilà, c'est un complément et Réseau-Thème saura vous orienter vers eux s'il faut. Au niveau des multiplications, vous avez compris que vous pouvez déposer des projets régionaux. Vos chargés de mission en DRAF, ADT, feront le lien avec vos partenaires régionaux plus locaux si vous avez des difficultés. Généralement, c'est ceux que vous maîtrisez bien. Mais s'il y a un sujet par rapport à une filière régionale où vous êtes peu ancré et il y a quelque chose à améliorer, vous avez votre porte d'entrée en DRAF SRFD et utilisez-la. Et enfin, dernièrement, et pour d'autres, pour l'appui méthodo au montage de projet, parce qu'il faut de l'ingénierie de projet, évidemment, pour monter ces projets. Alors, vous ne serez pas forcément tous chefs de file, certains seront partenaires, mais néanmoins, il y aura une partie à écrire, une phase du plan d'action sur lequel vous serez en responsabilité d'écrire quelque chose. On finance chaque année le DNA pour ça, Bergerie nationale en premier lieu, sur notre mission,
qui, du coup, a du temps de travail disponible pour vous appuyer pour monter des projets, et y compris pour monter des projets collectifs à l'enseignement agricole. Si dans des multiplications, plusieurs d'entre vous ont, à un moment donné, un sujet spécifique qui nécessite une mobilisation de l'enseignement agricole avec un portage collectif, alors certes, c'est un des bahuts qui peut prendre le lead, notamment quand il y a des DECAT qui tiennent un peu la route en matière de chef de projet, mais ça doit être aussi nos établissements d'appui qui peuvent tout à fait prendre le lead et qui sont capables de déposer des projets et administrativement et financièrement de suivre en tout cas la charge administrative du PNDAR en tant que chef de file. Donc il y a aussi cette idée-là. Donc si des projets collectifs émergent autour des thématiques prioritaires, vous avez cette porte d'entrée-là et il ne faut pas se censurer par rapport à ça puisque, comme je vous dis, il y a un financement derrière. Ce programme 143, on met un petit peu d'argent pour que vous ayez un petit peu un droit de tirage sur cette structure d'appui qui appuie les établissements. Voilà. Merci Rémi. Ouais. Donc on va prendre quelques questions là avant de laisser la parole à Arnaud. Notamment, je crois qu'il y a Vincent Jeannot, je pense qu'il s'il pouvait poser sa question en direct, ça serait bien. Vincent, est-ce qu'il a la possibilité? Monsieur Jeannot, vous nous entendez ou pas? Bon, sinon, je peux reprendre les vas-y, Vincent, là, du moins. Voilà. Parce que. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Allez-y. Non, je n'avais pas accès au micro. Oui, non. Non, d'abord, merci pour l'invitation en tant qu'ONVAR. Merci beaucoup. On est en train de monter un projet on avait déjà déposé dans le cadre de recherche et innovation, là, dans les anciens appels à projets. On y retravaille dans l'appel à projet co-innovation avec l'Institut de l'élevage, la coopération agricole, la Fédération nationale des CUMA, il y a la SIAP et les A d'Angers avec Guillaume Anzalom, sociologue. Enfin, on est sur un boulot de recherche-action sur le renouvellement des générations et on cherche un contact. Alors, je ne sais pas si c'est à la bergerie ou quelqu'un qui pourrait participer au projet, qui représente l'enseignement agricole, que ce soit les lycées ou les BPREA, mais voilà, là, les lycées. Ça, c'est voilà, la première question. Et puis la deuxième, c'est... c'est pas une question, c'est de bien sur les partenariats que vous pouvez développer. N'hésitez pas à contacter les ONVAR. On est alors, je sais pas combien on sera. On attend toujours la réponse du ministère là pour le nouveau NDAR 2022-2027. Mais on sera une vingtaine d'ONVAR, je pense. Et sur les territoires, on est disponible pour travailler avec les lycées agricoles ou des multiplications ou co-innovation. Voilà, l'autre. Merci. Avant Rémi, que peut-être tu répondes, sur le projet que vous évoquez, sur le renouvellement des générations. Donc moi, je suis animatrice nationale réseau élevage et donc j'ai été en contact avec IDEL qui m'a posé il y a 2 jours la même question que vous. Donc en fait, l'idée, ça va être au travers moi, mais aussi peut-être au travers de d'autres personnes, l'idée, ça va être de raccrocher des établissements ou, en fonction du type de projet, une structure type bergerie nationale ou autre établissement d'appui. Pour répondre. Voilà, donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, pour vous, ONVAR, pour la PCA, pour l'ACTA, pour INRAE, le travail que fait Emmanuel et les 9 autres animateurs thématiques est vraiment un travail à la fois de capitalisation des projets qui émergent. Vous avez une question, vous avez un besoin et vous avez une vision de qu'est-ce que l'enseignement agricole pourrait apporter à un projet avec ce que nous, on peut offrir comme service aussi et ce que nous, on a comme idée aussi sur la thématique. Donc, du coup, là, vous avez vos têtes de réseau, vos 10 animateurs par thématique en face de vous qui doivent vous faciliter cette prise de contact pour à la fois avoir la structure d'appui, s'il en faut une, comme la bergerie nationale, et les établissements support qui correspondent à la problématique et qui vous donneront, avec leur exploitation support et leur expérience et leurs équipes d'enseignants, le meilleur résultat possible dans le temps qui est celui du projet. Donc, on compte beaucoup cette petite coordination et qui doit nous permettre et vous éviter de devoir contacter nos 250 établissements les uns après les autres. Sachant, donc, il y a une question dans le même ordre d'idée, sachant que je reprécise que ce ne sont pas les animateurs nationaux qui seront signataires. Nous, on sert uniquement à la mise en relation. Voilà.
n'est pas partie prenante des projets, en tout cas facilitaire. Alors, vous êtes facilitateur, effectivement, du coup, pour effectivement qu'on arrive à trouver effectivement les bons établissements en face des bonnes thématiques et que chaque partenaire national enseignement agricole puisse effectivement trouver chaussure à son pied et pas uniquement du coup à l'arrache en dernière minute un établissement en fin de projet. Plus on est en amont, mieux c'est. Donc il y a Madame Garladon qui pose une question similaire, enfin dans le même ordre d'idée, en disant donc chargée de mission à la PCA, donc coordonne la réponse des chambres d'agriculture. Et donc, elle serait intéressée pour avoir les contacts, pouvoir construire des constructions avec l'enseignement agricole. Donc, ça veut dire diffusion de la liste des établissements d'appui et puis aussi des animateurs de réseau et des chargés de mission régionaux. Hein, c'est ce que tu as évoqué, Rémi. Et du coup, j'avais mis les trois liens dans mon diaporama et du coup, je vous laisserai l'envoyer aux participants. Ouais. Tout à fait, on le mettra en ligne également. Et effectivement, il y a aussi les correspondants, des enseignants correspondants RMT en établissement. Qui aussi, Oui, j'avais pas trouvé le lien vers la liste, je crois. Parce qu'on l'a réactualisé tout récemment, mais oui. Ok. Si vous pouviez l'ajouter au diaporama, ce serait super chouette. Tout à fait. Ouais, merci. Vas-y, Hervé. Je pense que vu l'heure, on va laisser la parole quand même à Arnaud, voilà, qui nous présente. Et en reprenant des questions, on prendra 10 minutes de questions. C'est une partie des questions qui ont été répondues dans le diaporama au fil de l'eau. Et est-ce que vous pouvez recoller vos questions en Q et R, s'il vous plaît, de façon à… Voilà. Notamment Irène. Merci. Vous voyez mon PowerPoint là ? Oui, très bien Arnaud. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Arnaud Hobb. Je suis actuellement directeur des ateliers technologiques de l'ENINIA NSMIC de Surgères depuis le mois d'août. Mais préalablement, j'étais 17 ans directeur d'exploitation agricole de Bressuire, donc un EPL qui est situé dans les Deux-Sèvres et qui est positionné sur une activité de polyculture élevage. Et on m'a demandé, dans le cadre de ce webinaire, de témoigner un petit peu sur mon expérience en la matière, en termes d'appel à projet et puis de prestations techniques de nos exploitations dans le cadre de ce que vient de décrire Rémi. Donc, il y a peut-être des choses qui seront un peu redondantes avec ce qui ont été dites précédemment, mais l'idée, c'était de les illustrer à travers quelques exemples. Donc, voilà, là, cette première diapo, c'est pour montrer qu'effectivement, au-delà des appels à projet CASDAR, on a aussi possibilité, en tant qu'exploitation agricole, de se positionner sur des appels à projets régionaux. Alors nationaux, j'entendais par nationaux les plans éco-phyto, les plans éco-antibio par exemple. Et puis après, sur des projets plus spécifiques, France Agrimaire. Et enfin, sur des sollicitations, alors plus que des projets, des appels à projets, sur des prestations techniques auprès de structures privées ou d'instituts techniques type ITAP par exemple, type réseau d'agriculture durable. Enfin bref, on a des sollicitations qui peuvent être multiples à ce niveau. Donc, un petit focus quand même sur l'exploitation pour replacer les choses dans leur contexte, parce que je pense qu'effectivement aussi la caractéristique de l'exploitation conditionne beaucoup les sollicitations et les possibilités que l'on peut avoir à s'intégrer dans ce type d'appel à projet. Donc nous, sur cette exploitation-là, il y avait une grande diversité de production, un atelier hors-sol bio avec deux poulaillers identiques. Alors, cette particularité était très intéressante parce qu'on avait des poulaillers qui étaient symétriques et donc qui permettaient de pouvoir faire des tests de comparaison entre des lots de poulets. Alors, on était quand même sur 4000 poulets, hein, donc qui étaient significatifs et qui permettaient de faire du transfert. Tout à l'heure, Rémi parlait de la phase de recherche, mais effectivement, souvent, ce qui manque, c'est le maillon de transfert avant de démultiplier chez les agriculteurs. Et là, en l'occurrence, à travers ces outils qui sont de dimension cohérente, on pouvait aller jusqu'à tester des choses de manière plus conséquente et significative. Donc ensuite, il y avait un atelier ovin à l'étang en production d'un agneau au label rouge, 200 brebis, avec la particularité d'être impliqué dans une solution assez particulière qui était le pâturage tournant dynamique, mais qui est aujourd'hui l'émanation d'un projet qui avait duré 5 ans avec l'Institut d'élevage. Donc, on verra aussi que l'objectif et l'intérêt de ces appels à projets quand les établissements s'y engagent, c'est que derrière, ils peuvent faire évoluer leurs pratiques et évoluer leur système. Et c'est tout l'objectif. Donc, un atelier de vaches allaitantes, 50 vaches en sélection en race rouge des prés, avec un système aussi tout herbe. Une station d'évaluation de reproducteurs charolais, donc là, une dimension plus génétique.
un atelier d'engraissement de bovins en expérimentation, mais là, plus dédié à des structures privées. Un magasin de vente directe avec un chiffre d'affaires significatif puisqu'on atteignait 100 000 euros sur 2021. Sur 2020, pardon, et puis une exploitation en plein bocage, donc avec 18 km de haies, avec des problématiques spécifiques sur les haies qui étaient intéressantes et très sollicitées par rapport à des projets autour de tout ce qui était espace arboré et plantation de haies, donc là aussi des choses intéressantes. Donc pour moi, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il faut réunir un certain nombre de leviers qui sont essentiels avant de pouvoir s'impliquer et de pouvoir se positionner sur ces projets et être actif, c'est d'abord effectivement d'avoir les ressources techniques ad hoc par rapport à ces besoins potentiels, d'avoir, et ça Rémi l'a dit, des ressources humaines spécifiques, puisqu'on a bien vu que notamment tout ce qui est salaire public, les enseignants en particulier, qui sont souvent demandeurs mais qui malheureusement ne sont pas éligibles dans le cadre de ces projets-là, même s'ils peuvent être acteurs, hein, ça c'est important et je le redirai tout à l'heure, sur le plan pédagogique, il y a une vraie valorisation à trouver. Alors celle-ci, elle n'est pas valorisable sur le plan financier, mais elle l'est en tant que pédagogie, donc c'est déjà c'est une mine d'or, je pense. Et puis après, l'autre élément important, c'est une vraie implication dans les réseaux. Si vous n'êtes pas, si les DEA ne sont pas impliqués dans des réseaux autour d'eux, dans les filières qui les concernent, c'est toujours difficile de trouver des partenaires. Et on a bien vu que porter un projet ou porter des projets seuls, c'est quasi impossible. Donc, il faut aller chercher les partenaires. Et le meilleur moyen de leur donner envie de travailler avec nous, c'est de s'impliquer dans les réseaux le plus possible. Alors, c'est chronophage, soit. Mais c'est important et souvent on fait des belles rencontres et ça nous permet aussi de sortir un peu nos exploitations et de pouvoir étendre un peu nos réseaux. Et puis l'autre élément qui me semble être le plus stratégique et qui est parfois compliqué à gérer dans nos EPL, c'est d'avoir une grande rigueur administrative parce qu'on a vraiment, dans le cadre de ces projets-là, souvent des demandes qui sont très spécifiques et qui, si elles ne sont pas... si elles ne sont pas réunies, posent des gros problèmes, notamment en termes de versement des montants et clôture des projets. Donc, une fois fait cette introduction-là, nous, derrière, c'est 10 années d'implication aujourd'hui pour l'EPL de Bressuire dans des programmes d'expérimentation ou de développement hein, qui ont été financés dans des domaines très diversifiés. Alors là aussi, on n'a pas attendu EPA1 ni EPA2 pour se poser les bonnes questions. Il y a aujourd'hui plein d'exploitations qui ont déjà énormément fait avancer les choses et qui ont déjà fait beaucoup de démultiplications et beaucoup de transferts, même s'il reste beaucoup de travail. Et vous voyez les différents thèmes sur lesquels on a pu travailler depuis 10 ans, entre la bio, l'agroécologie, le bien-être animal, le changement de système, les circuits courts, le travail, la gestion des espaces arborés, l'autonomie alimentaire, les rations d'engraissement, les alternatives au soja, le pâturage, et j'en passe et des meilleurs parce que la liste n'est pas complètement exhaustive. On est tout à fait dans le cadre de ce qu'on appelle le PA2 aujourd'hui et qui correspond à tous ces enjeux. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de logos là qui entourent cette diapo. Ben c'est un exemple de tous les cases d'art où on a pu nous s'impliquer au sein de cette exploitation, hein, donc sur 10 années. Hein. Donc, le premier casse d'art, pour faire un peu d'histoire, c'était le casse d'art Parcours Volaille, hein, qui a débuté en 2012, je crois. Donc, des projets casse d'art, les projets région, des projets France Agrimaire qui se sont succédés, parfois avec plusieurs projets en même temps. Donc, c'était relativement lourd à gérer, mais ça se fait et ça a vraiment un intérêt évident pour les exploitations. Donc, ça nécessite quand même d'être au contact avec des structures capables de porter des appels à projets. Il est évident qu'un établissement, une exploitation de PL n'est pas en capacité d'être porteur d'un projet. Moi, je l'ai fait une seule fois, c'est sur un casse d'art TAE, et c'était déjà très lourd. Mais à chaque fois, on se positionne soit comme partenaire, soit comme prestataire. C'est encore plus simple quand on est prestataire, parce qu'il y a une convention et on a moins de contraintes administratives, mais c'est peu le cas et c'est rarement le cas. On est plutôt partenaire que prestataire. Et puis, donc, évidemment, il faut que ces structures-là elles soient en connaissance de vos outils et qu'elles soient prêtes à s'associer à vous. Donc, ça nécessite de faire un peu de lobbying et de faire un peu de prospection. Donc, nous, par exemple, mais là encore, la liste n'est pas exhaustive. On a travaillé avec l'Institut d'élevage, l'INRA. J'ai oublié le E à l'INRAE, pardon, pour ceux qui travaillent à l'INRAE. Les chambres d'agriculture, l'ANSES, l'ACTA, l'ITAV, l'ITAVI, le réseau CIVAM, etc. Donc ça, c'est important d'aller vers ces gens-là qui sont souvent des porteurs de projets efficaces et qui sont très aguerris à ces appels à projets et qui nous accompagnent très bien
dans les constructions et dans la participation à ces projets-là. Autre élément important, c'est dégager du temps en amont des projets parce que bah, c'est toujours intéressant de co-construire les projets avec, avec les porteurs de projets, de ne pas simplement subir une demande spécifique qui vient parfois en dernière minute et sur lequel bah, on n'est pas vraiment acteur. Donc, et c'est important aussi pour vendre son outil et expliquer ce qu'on est capable de faire dans nos exploitations. Et quand on le fait en amont des projets et, dans le cadre de, et qu'on est associé dans le cadre de l'écriture, voire de la réécriture des projets, c'est toujours mieux et c'est toujours plus facile de se vendre. Évidemment, les ressources humaines, c'est le nerf de la guerre et c'est important, d'autant plus qu'elles doivent être portées par le budget de l'EPL et avoir les compétences pour conduire ce type de projet ou du moins pour être associé à ce type de projet et pour être... et pour accompagner les DEA et DAT. Alors, même si les DEA et DAT ne peuvent pas rentrer en termes de financement, il faut qu'ils conservent quand même une expertise et comment dire, un management de tout ça, parce que ça concerne leur exploitation et que derrière, il va y avoir des salariés, il va y avoir des gens mis à disposition dans le cadre de ce projet-là. Et c'est important, même si ça ne rapporte rien, ou ce n'est pas pris en charge plutôt, d'être présent au moins dans le cadre des séminaires et des comités de pilotage de ces projets CASDAR. Je pourrais rajouter simplement que, par contre, les frais de déplacement des DEA ou DAT qui s'impliquent dans les réunions, les différentes réunions, sont pris en charge par les appels à projets dans le cadre des programmes de financement. Après, il faut accepter, mais ça, Rémi l'a dit, des délais de paiement qui sont relativement longs, et ça, c'est parfois très compliqué à intégrer dans nos budgets sur les EPL. Alors, il y a des outils qui existent, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, et puis avoir un suivi administratif adapté et dédié. Si vous n'avez pas anticipé les choses, bah vous êtes perdu parce qu'il y a un nombre de pièces justificatives qui doit être transmises et qu'il faut anticiper. Sinon, si on attend la fin de la troisième année pour fournir les pièces justificatives ou les outils administratifs, c'est juste ingérable. Donc, il y a des difficultés, vous l'avez bien compris. Hein. Donc, la première chose auxquelles j'ai été souvent confronté, c'est d'évaluer. On vous demande d'évaluer souvent un an et demi avant. Il y a des choses qui vont se passer sur 3 ans, donc ce n'est pas toujours évident. D'autant plus qu'aujourd'hui, malheureusement, les DEA, alors ça c'est un petit message, mais les DEA, au bout de 8 ans, on va leur demander de changer de poste. Alors quand on dit que les projets, des appels à projets, ce CASDAR par exemple, il faut les imaginer sur 5 ans. Donc ça voudrait dire que si vous menez un projet sur 5 ans, le deuxième, vous ne serez plus là pour le conduire. Et je pense que c'est important d'assurer la continuité en termes de pilotage. Donc, évaluer en amont le temps de travail supplémentaire des agents qui vont être impliqués. Donc, ça, c'est très difficile à évaluer. Alors après, avec l'habitude, on arrive à le faire plus simplement. Mais ça nécessite un travail précis parce que derrière, c'est le dimensionnement financier de votre implication qui en découle. Et il faut éviter de se tromper. Trouver les ressources en interne. Alors, là, la difficulté, ce n'est pas seulement d'identifier les agents, mais c'est aussi de les motiver. Et puis, de les impliquer le plus possible en amont aussi des projets. Alors là, ça renvoie à un vrai partenariat qui doit être présent entre les exploitations et les centres de formation que sont les CFA et CPPA, parce que c'est là où il y a les ressources les plus évidentes et les plus faciles à mobiliser, au-delà des salariés de l'exploitation. Donc là aussi, les salariés de l'exploitation, bah, il faut les inciter et les obliger à respecter des protocoles, parce qu'une fois que vous avez mis du temps d'agent, bah, ça veut dire qu'ils vont s'impliquer dans des protocoles. Ils ne sont pas forcément aguerris à ces protocoles, ils n'ont pas forcément été associés à la construction des protocoles. Et parfois, c'est lourd et très contraignant et ils ont du mal à comprendre que, ben, on doit respecter ces protocoles et qu'on s'est engagé et que financièrement, ben, on a des contraintes qui sont liées à ces financements. Gérer le suivi et la production des documents administratifs, hein, ça, c'est indispensable. Donc, les conventions, les suivis d'heures, les lettres d'engagement, les comptes rendus, les factures, tout ça, c'est très lourd. Et il faut se faire accompagner dans les EPL par les services administratifs. Donc là, l'affectation, par exemple, des financements, il y a des outils sur Cocriel qui existent, qui sont les autres ressources suivies. Et un conseil, c'est vraiment de générer des ressources suivies par type de projet pour être sûr de s'y retrouver. Et de rattacher les financements aux bons exercices, même s'il y a du décalage. En général, il y a 1, 2 ASACON plus un solde. Et donc, il faut être en capacité de supporter des délais de paiement qui peuvent dépasser 6 mois. Donc, ça m'est arrivé d'aller au-delà de même des 6 mois, pratiquement 1 an, alors que vous avez fait des travaux sur des exercices précédents. Donc là, il y a un système de comment dire, j'ai perdu le terme, de...
des choses qu'on peut affecter sur un exercice et qui seront payées sur l'exercice suivant. Hein. Donc, des produits à recevoir, voilà, j'ai retrouvé, et qui peuvent être intégrés dans les budgets de vos EPL et dans les budgets de vos exploitations agricoles ou d'ateliers technologiques. Après, heureusement, une fois qu'on a fait le tour des difficultés, il y a énormément de bénéfices à tous ces appels à projets. C'est évidemment l'apport financier, il est quand même significatif. Hein. On parlait de 80% tout à l'heure, moi je ne pense pas avoir dépassé les 75%. Donc ça, c'est la négo qu'on doit réaliser avec nos porteurs de projets. Donc on est plutôt entre 50 et 75%, donc ce n'est pas négligeable. Même s'il y a des travaux supplémentaires qui sont nécessaires, ça permet aussi de prendre en charge une partie de nos frais indirects. Hein, on parlait de 15% tout à l'heure. Ça peut permettre aussi de financer certains investissements. Moi, j'ai en tête certains projets où grâce à ces appels à projets, on a pu aller vers des innovations techniques et avancer un peu plus vite. L'application et l'identification de nos outils auprès des professionnels, montrer qu'on a des outils qui sont adaptés à des problématiques de développement et des problématiques d'expérimentation. Et puis derrière, ça contribue à notre implication dans les réseaux. La validation de nos missions d'expérimentation et de développement local, ça, on nous demande de le faire. C'est une manière de le valider et de transformer l'essai. Et puis, la valorisation pédagogique. Hein. Alors là, on parle d'EPA2 maintenant, mais c'était évident que si à l'époque où nous, on conduisait ces projets-là, EPA2 avait existé, on aurait complètement coché les cases avec ces outils-là. Et la pédagogie, aujourd'hui, a une vraie part dans l'EPA2. Donc, le caractère démonstratif, davantage de mesures à travers des protocoles plus spécifiques et donc potentiellement plus de travaux pratiques, des protocoles expérimentaux qui peuvent être valorisés dans le cadre des BTS agricoles où il y a un module spécifique. Donc, il y a plein de bienfaits. Et là, j'aurais pu mettre des pointillés parce que des demandes derrière sont très nombreuses des enseignants et c'est très intéressant de pouvoir les valoriser de manière active. Autre élément intéressant aussi, c'est de derrière souvent ces projets-là, nos outils, au-delà d'être des outils d'expérimentation et des supports techniques, mais ils sont aussi des outils à disposition des porteurs de projets dans le cadre d'organisation d'événements qui sont souvent connexes à tous ces appels à projets, des journées techniques, des comités de pilotage, des séminaires, et qui sont toujours les bienvenus dans nos exploitations et qui permettent de faire un focus sur nos outils et de faire venir les professionnels. Donc ça, c'est toujours positif. Et puis, à travers les livrables, c'est aussi une manière de communiquer sur nos outils. Alors, c'est très important de veiller à ce que nos logos soient présents lorsqu'on est partenaire et d'être vraiment cité dans les livrables qui sont générés. Alors là, je vous en ai mis deux exemples. Hein. Donc là, on avait travaillé avec l'ITAB sur un projet qui s'appelait Sécalibio, hein, la sécurisation des systèmes alimentaires en production biologique. Donc là, vous voyez sur ce rapport, sur les parcours volailles, j'entends, à haute valeur protéique, on était cité, le lycée agricole et cicolière, comme carrément dans la plaquette de restitution des travaux. Et puis là, sur le cas d'Arbouquet, lui qui travaillait sur l'évaluation des services rendus, sous-entendu les services écosystémiques par les parcours de volailles, on avait bien vérifié, on avait bien les logos qui étaient ici, donc on était très lisible par rapport à ça. Donc après, il y a une autre catégorie de prestations qui sont financées, qui peuvent être mobilisées par nos exploitations et nos ateliers technologiques. C'est des projets qui émanent directement d'instituts techniques ou de privés. Donc là, souvent, on est sur des procédures qui sont beaucoup plus simples, avec des conventions en direct et avec des négociations qui sont elles-mêmes directes et des retours financiers qui sont beaucoup plus rapides et qui sont beaucoup moins contraignants à obtenir. Donc là, je vous ai cité quelques structures avec lesquelles on a été amené à travailler dans ce cadre-là. Alors, ça amène quand même un certain nombre de difficultés. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Une des premières difficultés dans ce type de projet, contrairement aux appels à projets où on n'est plus dans le domaine public, donc on a moins de problèmes de confidentialité, c'est de préserver le caractère confidentiel des travaux réalisés dans nos exploitations. On sait qu'on a beaucoup de passages, on a beaucoup d'opérateurs et beaucoup d'utilisateurs. Et donc là, la difficulté parfois, c'est effectivement de conserver, d'être capable d'assurer cette confidentialité pour les clients et pour les demandeurs dans le cadre de ces projets en direct. Autre élément, c'est d'imposer aussi ces contraintes techniques, parce que souvent, les gens qui les pourvoyeurs de projets ou les demandeurs ont des besoins très spécifiques qu'on n'est pas en capacité de
d'honorer pour des raisons souvent techniques et d'organisation. Et donc là, il faut pas lâcher l'affaire et il faut pas leur laisser faire n'importe quoi sur nos exploitations. Et il faut aussi leur faire comprendre qu'on a des contraintes techniques et des contraintes d'organisation qui vont forcément impacter les protocoles qui seront envisagés. Donc là, c'est plutôt un travail de négociation qu'il faut absolument faire. Après, il faut encore une fois, mais là, j'ai déjà dit, veiller à la qualité des enregistrements et au respect des protocoles par les salariés. C'est parfois difficile. Alors, c'est encore plus important dans le cadre de projets privés parce que derrière, voilà, on a affaire à des gens qui sont très présents et qui sont très à cheval sur ces questions-là. Alors, ce n'est pas pour dire qu'on n'est pas à cheval là-dessus sur les appels à projets dont j'ai parlé précédemment, mais souvent, c'est encore plus prégnant sur ces types de projets-là. On n'a pas d'accès souvent aux résultats obtenus au final. Mais bon, ça, c'est... Alors, on peut être un peu... On peut se dire qu'on aurait aimé aller un peu plus loin, mais bon, voilà, il faut accepter ça. L'exploitation pédagogique est souvent plus limitée du fait de la confidentialité. Il faut engager des négociations financières, donc il faut se battre, il ne faut pas lâcher l'affaire. Vous avez des coûts de fonctionnement et des coûts salariaux qu'il faut valoriser à leur juste valeur. Et il n'y a souvent pas de communication possible de la part de l'établissement parce que ça reste encore une fois des projets confidentiels. Alors, il y a des bénéfices, évidemment. Les procédures administratives, je vous l'ai dit, sont beaucoup plus simples. Il y a en général une rentabilité qui est beaucoup plus intéressante si vous avez bien négocié les problématiques financières parce que ben, il n'y a pas de taux de financement. C'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez faire financer. Il y a possibilité souvent de paiement d'acompte et des soldes dès la fin des programmes. Donc ça, c'est souvent très intéressant parce qu'on affecte directement sur des budgets les travaux qui sont réalisés dans une année donnée. Donc, il n'y a pas de décalage. Et la possibilité aussi, souvent, de contractualiser, si ça se passe bien, de contractualiser sur du long terme avec ces structures-là, qui, une fois qu'elles ont vérifié que vous étiez capable de réaliser ce type de projet, souvent vous resollicitent. Hein, et on va pour preuve sur Bressuire. On travaille avec la CAVAC et INSO depuis pratiquement 10 ans sur un programme d'engraissement avec des protocoles qui sont spécifiques chaque année, des types d'animaux spécifiques, mais c'est eux qui choisissent. Mais derrière, il y a un vrai partenariat, une vraie fidélité de ces opérateurs vis-à-vis de nous. Enfin, vis-à-vis de l'exploitation de l'OSU. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci Arnaud, donc le temps passe là, donc il y a quelques questions, on va dépasser un peu et on va tenter d'y répondre. Oui, donc déjà il y a eu des réponses qui ont été données par Rémi directement dans le chat hein, sur les questions. Je vais prendre la question de Claire hein, qui pose la question directement pour Arnaud sur concrètement comment on s'entoure de formation de formateurs pardon dès l'amont de la réflexion. Et, est-ce que c'est toi qui allais vers eux? Est-ce que tu arrives à co-écrire la réponse? Après, moi j'ai eu la chance de travailler avec un formateur qui était un ingénieur agro qui a souhaité, dès qu'on a émis l'idée de se positionner sur des appels à projets, être associé à ça. Et en cela, on avait négocié une décharge horaire pour l'exploitation. Donc, c'était forcément beaucoup plus simple. Donc, voilà. Alors, il est parti avant que je quitte le PL de Bressuire. Et les deux dernières années où il était absent, forcément, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il a fallu trouver des nouvelles ressources et qui n'étaient pas forcément en adéquation avec nos besoins, les besoins précédents et le travail que faisait cette personne-là, que tu as connu d'ailleurs, Emmanuel, et qui était très, très impliqué et très compétent en la matière. Donc, ça, c'est toujours plus facile pour un DEA dès qu'on a cette possibilité-là de s'appuyer sur quelqu'un qui fait le taf, quoi, et puis qui est en capacité de valoriser à travers un contrat de droit privé. Et avec qui vous avez donné les moyens en dégageant du temps, en finançant du temps, finalement? Oui. Et ce qui permet d'asseoir... D'asseoir la cohérence économique de cet appel, enfin de cette réponse, quoi. Je vois Rémi qui fait oui de la tête, donc peut-être que tu veux réagir. Après, sur les projets privés, c'est plus facile parce que le DEA peut s'impliquer complètement parce que derrière, on n'a pas de ces contraintes-là. Mais sur les appels à projets, effectivement, c'est la clé de tout ça, c'est vraiment les ressources humaines et trouver les bons. Alors parfois, on en avait hein, qui étaient potentiellement candidats, mais c'était des enseignants et qui étaient titulaires et fonctionnaires, donc c'était juste pas possible. Alors, ils étaient frustrés, mais c'était la règle, quoi. Bah, il faut vraiment adapter, du coup, à la fois le surcoût de gestion de projet, effectivement, qui peut être affecté à un salarié de droit privé comme un formateur, effectivement, qui a le profil d'un ingénieur de projet,
l'investissement de l'enseignement, qui lui, effectivement, n'est pas éligible en matière de salaire, mais par contre, dont on a besoin de temps de travail en face du plan d'action. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est un levier important, dire que capter des financements, ça peut créer des cercles vertueux dans les établissements autour d'un financement, entre guillemets, d'un chargé de projet sur budget. C'est pour démarrer. La question, c'est comment on démarre pour en arriver là. C'est vrai que nos dispositifs ADT, tiers-temps chef de projet, sont des façons de démarrer des dynamiques, mais ça ne les pérennise pas dans le temps. Donc, du coup, l'idée étant, effectivement, si les établissements veulent seulement se lancer là-dedans, c'est d'utiliser au maximum ces appels à projets internes-là pour avoir des moyens et du temps de travail dédié qui est financé pour lancer la dynamique. Mais derrière ça, il faut imaginer la pérennisation. Et les DEA ne sont pas des chefs de projet des appels à projets. Ce n'est pas possible. Ils n'auront pas le temps de tout faire. Donc, il faut tout de suite imaginer le relais à travers du salarié de droit privé, gestion de projet. Et à mon avis, c'est la bonne méthode à promouvoir. Après l'autre élément important aussi, c'est, alors je l'ai pas dit, mais c'est de trouver aussi un équilibre entre, en termes de financement des salaires, entre celui qui va suivre le projet, qu'on pourrait appeler porteur de projet ou chef de projet, et puis les salariés, puisque la partie technique. Et donc on arrive, il faut trouver un bon équilibre. Il ne faut pas qu'on ait 80% sur le chef de projet et puis 20% sur les salariés. Aujourd'hui, on a des salariés qui sont de plus en plus formés, qui ont des niveaux de formation Bac plus 2 hein, la plupart du temps, et qui sont capables de copiloter des projets, des expérimentations, et en plus, c'est les valoriser, et souvent, ils sont demandeurs de ça. Donc, c'est tout un équilibre à trouver, et ça peut permettre aussi de compenser des déficits par rapport à des chefs de projet qui ne sont parfois pas disponibles sur les établissements. Juste avant que Hervé nous coupe la parole, Rémi, en un ou deux, la question sur les chefs de file, sur l'appel à projet. Oui, du coup, Ardo y a très bien répondu. Hein. Effectivement, ouais, être chef de file sur un appel à projet, tous les établissements aujourd'hui n'ont pas forcément ni la trésorerie, ni l'équipe administrative pour porter ce type de gros projet. Quelques-uns d'entre vous l'ont, mais ça reste quand même assez marginal. Donc, c'est vrai que démarrer par un portage d'un projet CASDAR, y compris des petits montants comme TAE autour de 60 000 euros, voilà, c'est un investissement. Ça veut dire que derrière, qu'il y a une équipe administrative et technique, qui a la trésorerie pour. On est sur du pluriannuel, hein, sur des soldes à 4-5 ans. Donc, voilà, on ne s'engage pas comme chef de file comme ça. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, hein, s'il y a en tout cas des idées collectives à l'enseignement agricole, on utilise le portage par le DNA, hein, clairement, et c'est vraiment notre cible. Mais effectivement, voilà, nos partenaires, APCA, INRAE, ACTA, ONVAR, on sont solides pour porter ça. Mais ce qui voilà, à bien réfléchir quand on regarde comme chef. On a quelques EPL qui ont été lauréats de CASDAR IP en tant que chef de file, qui pourraient témoigner. Voilà, c'est quand même du gros, gros boulot. Hein. Tout à fait. Et puis pour l'avoir expérimenté, je me suis retrouvé partenaire dans le cadre d'un CASDAR où c'était un EPL qui portait ne serait-ce qu'un axe déjà. Ouais. On s'est aperçu que c'est très compliqué, quoi, et du coup, on n'est pas allé au bout. Donc déjà, il faut faire attention au degré d'implication de l'EPL. Quoi. Merci. Donc, l'heure tourne. Donc, on va sans doute clôturer puisqu'on est à 10 minutes de dépassement. Et moi, je voudrais me retenir plusieurs choses là. Donc, il n'y a plus d'appels à projets qui sont dédiés donc TAE, mais donc est-ce qu'il y a une opportunité ou un frein? Vous avez vu que c'était la possibilité de recréer des liens avec les partenaires et que l'appel à projet de démultiplication avec son échelle régionale est sans doute fait pour faire des essais avec les partenaires qu'ont les EPL ou les exploitations des EPL ou des ateliers technologiques. Un des grands changements aussi, c'est que 100% des coûts seront éligibles pour les EPL, hein, contrairement à avant. Arnaud nous a présenté 75%, c'est 80%, mais c'est maintenant on est passé à 100%. Et puis, retenez aussi que la Bergerie nationale, donc l'ENA Bergerie nationale, peut vous aider donc à déposer des projets. Et notamment, il y a un stage qui est ouvert du 1er au 3 février 2021 donc sur ces problématiques. Et donc, vous le savez tous, mais Arnaud l'a bien rappelé, hein, donc il faut une grande rigueur administrative pour conduire les projets parce qu'il faut les amener à bout. Bon, il y va bien sûr de notre crédibilité, mais il y va aussi de la reconnaissance sur le territoire. Et pour être à nouveau dans un appel à projet, il faut que les partenaires se sentent en confiance avec nous. Alors, je ne sais pas s'il m'appartient de dire le mot de la fin, mais
Donc, on va terminer puisqu'il est 12h40. Le prochain webinaire aura lieu le 10 décembre. Et ce n'est pas les cadeaux de Noël, mais c'est pour aborder la fin de l'année comptable dans les exploitations et les ateliers technologiques qui aborderont la commission des stocks et différentes pièces comptables à justifier avec un agent comptable, M. Damien Gourdon, qui gère les EPL du Limousin. Voilà, je vous souhaite bon appétit et ce webinaire sera retrouvé sur la chaîne YouTube dans les semaines qui viennent. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, c'est bon. C'est bon. Non, arrête l'enregistrement, sinon c'est engueulé. Tu as coupé l'enregistrement? Bon, mis à part qu'on a fait 10 minutes de plus. Coupe l'enregistrement. Ah, c'est fait. Allez. Ouais. Bon, c'est bon, ça va. Alors, Rémi a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de DEA, mais c'est vrai. Il y en avait 5. Il y avait beaucoup de chargés de mission. Oui, c'est clair. Voilà. Ben, c'est pas mal. Voilà. Bon. OK. Amuse-toi bien. À bientôt. Bon voyage, si je ne t'ai pas dit. Salut. Ciao.